Salut à tous, j'espère que vous allez bien mes petites pommes d'amour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, ce sera uniquement dans le rayon beauté, make-up, soins, shampoing, etc. On va noter ensemble les produits, voir s'ils sont bien notés ou pas, voir voilà, leur composition. Je vais utiliser l'application Incy Beauty pour ça, moi c'est celle que j'utilise, que j'ai mis sur mon téléphone. Alors, quand je vous donne les notes, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas du tout efficace, d'accord? C'est juste que la composition, elle n'est pas bonne, tout simplement. Allez, bah écoutez, c'est parti, je vais aussi en profiter pour vous montrer du nouveau, hein, des petites nouveautés qu'il y a dans le rayon. D'ailleurs, en nouveauté, allez, je vous montre ça comme ça, c'est fait avant que j'oublie. Il y a un petit kit trop cute, c'est un kit de pinceaux. 8 en 1, regardez, il y a plein de petits pinceaux. Là, on a une espèce de beauty blender. À l'intérieur, on a d'autres... regardez. Voilà. Lorsque vous ouvrez, il y a un autre pinceau là. Bref, il y a pas mal de choses. Pour 2,29€. C'est un kit de pinceaux, en fait. 2,29€. Ça, par contre, j'aime bien le petit beauty blender, là, comme ça. Et là, je vois qu'on a le retour du kit sourcils. Vous avez soit ce modèle-là, donc avec le gel et poudre, le petit pinceau. Et sinon, celui-ci, c'est un... Il faut tapoter. Celui-ci, vous avez un petit... Dites-moi, les amis. Un petit pochoir comme ça, là, en gros. En forme de, avec la forme du sourcil. Et vous avez juste à tapoter. Après, à voir hein, si la teinte correspond ou pas. Ça va être marron. 1,69€. Alors, celui-ci, je viens de le noter. Il est noté 5,6 sur 20. À contrepartie, celui-ci, il est quand même bien noté. Celui-ci, il est noté 11,9 sur 20. Celle-ci, je viens de la noter, elle est à 13,7 sur 20. La poudre fixatrice. Après, vous avez celle-ci, la violet, à la banane, elle est à 14,8 sur 20. Voilà, 22 grammes à 2,19€. Tiens, cette poudre-là, elle est mal notée. Alors que franchement, elle est super, j'adore. C'est celle que d'ailleurs que j'ai mis ce matin. 5,1 sur 20. Elle est à 1,19€ celle-ci. Alors là, le où j'allais, enfin c'est une huile teintée pour les lèvres, elle est à 7 sur 20. Elle est à 1,89€. Sinon, on a ici donc le rouge à lèvres liquide. 5,8 sur 20 à 1,19€. Regardez là le overnight. Donc c'est un masque pour les lèvres, pour réhydrater. 0,7 sur 20, il a 99 centimes. Bon là, je viens de tester la plupart des baumes. Hein, les baumes à lèvres, celui-là 1,29, celui-là 89 centimes, 0 sur 20. Celui-ci là, 0 sur 20, l'aloe vera. Bon, le make-up, c'est vrai que je vous le note pas trop. Hein, je vous le fais très rarement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien aussi quand je vous note le make-up. Je sais que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Alors je vais continuer avec baume à lèvres, la vaseline. Alors il y en a un qui est à 11 sur 20, les autres sont à 6 sur 20. Alors ça c'est un nouveau produit, je ne peux pas le noter. Il n'est pas encore enregistré, ça coûte 2,49€. Coffret baume à lèvres. Je vois que là il y a plein de petits masques pour les pieds. J'ai l'impression que c'est des nouveaux masques ceux-là. Il y a fraise, vanille, alors là c'est coco. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis, jasmin. Alors je vais les noter, ils sont à 1,19€, 4,1 sur 20. Mis à part celui-ci à la vanille, jasmin, il est à 3,8. Ouais, on va essayer ça. Tiens, chaussette anti-callosité. Transparente, en tout cas je sais que ça fait des merveilles apparemment. 1,99€, j'ai jamais osé essayer sur moi. Le fait que ça pèle et tout, je sais pas, ça me fait, je veux pas dire que ça me fait peur, mais j'y crains un petit peu. Mais sinon je sais que franchement ça fonctionne super bien. Il y a ma grande surprise, il est bien noté, il est à 13,7 sur 20. Alors là je vois qu'il y a du nouveau dans le rayon. Effectivement, on a ici de la crème épilatoire, c'est la marque Wilkinson. Alors il y a un tube, une spatule et une crème, je crois hydratante qu'on met après, un truc comme ça.
Alors, routine en 3 étapes pour une peau douce jusqu'à 7 jours contient une crème dépilatoire, une crème fondante post-épilation et une spatule en bois. Ok, 1,99€. Ouais, on va voir. Pareil, à ma grande surprise, hein, 14,8 sur 20. Incroyable. Ah, ça c'est une note globale. Sinon, regardez. La crème dépilatoire, elle a 18 sur 20. Choquée, franchement choquée, parce que quand même, c'est assez chimique, hein, je trouve tout ça. Donc 18 sur 20 pour la crème épilatoire. Comment je fais là? Et c'est la crème à base d'eau, je sais pas quoi, qui a 11 et quelques, qui est moins bien notée. Mais on est bon. Après, vous avez ça aussi en nouveauté. Alors là, c'est un kit de 3 pièces aussi. Vous avez 20 bandes de cire. Donc c'est la marque Wilkinson. Il y en a 20. D'accord. Alors c'est quand même étrange, hein, ce qu'ils nous disent de faire. Hein. Donc utilisez les bandes de cire pour retirer les poils indésirables, d'accord, sur toute la zone du visage. 2. Utilisez le rasoir spécial visage pour exfolier votre peau et éliminer le duvet en douceur pour une peau radieuse. Mon dieu, ça me fait peur ça. Il est aussi conçu pour dessiner et sculpter vos sourcils. 3. Appliquez notre sérum soin visage post-épilation. Il élimine les résidus de cire, hydrate votre peau et la prépare parfaitement à l'application du maquillage. 1,99€. Et là, pareil, à ma grande surprise, 14,8 sur 20. Et pareil, donc en fait, la cire, elle a 17,6 sur 20 et le sérum, 12,1 sur 20. Ah tiens, il y a du nouveau par ici. Des petits savons pour les mains. Puis ça, je le vois bien en coffret cadeau, pourquoi pas. 99 centimes. Alors là, c'est pareil. Alors, les notes, vraiment, il faut noter tous les savons. Parce que chaque savon avec... sa composition, je dirais. Oula. 15,3 pour celui-ci, avec le renard. Pour le coup, ce sont tous les mêmes. Hein. Donc, ils sont tous notés pareil. Regardez ces crèmes pour les mains, bien colorées. C'est 99 centimes, ça donne envie, hein, franchement. 12,8 sur 20. 10,6 sur 20. Et ce modèle-là, regardez, 12,8 sur 20. Allez, je vais continuer ici avec l'hydrogel masque pour les yeux. Alors là, c'est un lot de 30 paires. Donc, il y en a 60 à l'intérieur. D'accord. À l'aloe vera, 2,59€. Il y a une petite spatule à l'intérieur. Très facile à l'application. Il faut laisser poser 15 à 20 minutes. Hein. Et regardez, 13,3 sur 20. Ça va, c'est bien noté. Alors là, vous avez ce démaquillant. Il est très, très bien, celui-ci. Biphase. Pour les yeux ou pour les lèvres, 1,29€, 150 ml, 15,8 sur 20. Garnier eau micellaire 400 ml, 2 contenances, 2,89€. Alors là, 10,6 sur 20 pour celui-ci. On va continuer avec les petits patchs, tiens, pour les boutons, pour venir assécher les boutons. Il y en a 36 à 99 centimes, 9,5 sur 20. Alors toute la gamme ici, hein, vous avez l'huile d'amande, l'huile de ricin, l'huile d'argan, l'huile de jojoba. Alors oui, ce n'est pas de l'huile d'argan 100%, c'est un mélange d'huile. L'essentiel, c'est que ce soit bien noté. 100 ml là, 100 ml, 100 ml. Et ces deux-là, c'est 150 ml pour 2,89€. Et c'est noté 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on voit bien la composition. Il y a de l'huile de graines de tournesol, de l'huile végétale. Du coup, l'huile de graines de jojoba et l'huile végétale. Vitamine E. Alors cette crème, elle est topissime, c'est celle que j'utilise moi tous les jours. Elle est à 3,33€, peau sèche sensible, 50 ml de contenance. Et puis elle est plutôt bien notée. 14,1 sur 20. Alors là, je vois qu'on a de la crème de jour, Diadermine, en nouveauté à 4,79€. Soin rides, jour et nuit, cible les rides, élisse la peau, améliore l'élasticité de la peau. On va voir ce que ça donne. 11,5 sur 20. Qu'est-ce que j'ai foutu là ? 11,5 sur 20 pour celui-ci. Là, vous avez la gamme Elisa John. Donc, il y a le rouge rétinol, acide hyaluronique et vitamine C. Donc là, c'est 50 ml pour 2,95. Alors, c'est incroyable. Vous avez ces deux-là. Ils sont très bien notés. Ils sont à 12,7 sur 20. Donc, c'est en vert. Pas de souci. Et là, je vais en tester le jaune orange. Enfin, orange plutôt. Il a 4,9 sur 20. Vous voyez comme quoi, parfois, c'est la même gamme, mais c'est pas les mêmes notes. Je vais tester quelques produits qu'on peut retrouver. Dommage, il n'y a pas toute la gamme là, il ne reste plus. Donc la gamme Révolution,
13,9 sur 20, donc ça va, c'est bien noté. C'est une crème de jour en forme de gel, 60 ml de contenance. Là, vous avez une crème, alors c'est pour se laver le visage. Hein. Crème lavage visage, ouais, c'est sa révolution. Elle est bien notée, hein, 14,8, il y a 100 ml pour 1,99€, franchement. Là, on a le petit bâtonnet, le petit stick d'arbre à thé, 10,7 sur 20, 1,19€. Stick sérum hydratant. Alors le bleu, il a 11,8 sur 20. Donc, ça va, il est pas mal, hein, il est en vert. Les deux autres, par contre, ils sont moins bien notés, c'est 8 sur 20. 2,59. Gommage au café, super bien noté, 19,2 sur 20. Il est à 1,99€. Alors par ici, on a les sérums Elisa John. Celui-ci est très très bien noté, il a 18,2 sur 20. Alors que, par exemple, sur... Enfin, les autres, vous avez les noirs et le bleu, là, ils sont moins bien notés, ils n'ont pas la moyenne. Regardez, le packaging rouge, 19,3 sur 20. Pareil, donc là, c'est un sérum et booster. Donc, à base de rétinol et vitamine E. Le vert, il est moins bien noté, il a 13, mais ça va, il est quand même bien noté, il a 13 sur 20. Et il y a le jaune, par contre, qui n'a pas la moyenne. Donc, le meilleur, c'est celui-ci, le rouge, là. Allez, je vais continuer avec les shampoings, et puis là, on a en nouveauté la gamme Love Beauty and Planet. Alors regardez, vous avez ceux-là, l'eucalyptus rose, coco, yang ylang, yang yang, je sais pas comment ça se prononce. Bref, il y a différentes variétés à 1,99€ et c'est sans sulfate. Ça coûte 1,99€, les amis. C'est quand même dingue, hein, quand on voit comme ça, on se dit 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et bien, le produit, donc le jaune, il est à 7,7 sur 20. Celui-là, là. Après, là, c'est 9 sur 20. Et ceux-là, je ne me souviens plus. Lui, c'est 10,7 sur 20. Regardez, dans le rayon eau de parfum, il y a ça. Il y a le retour du parfum Morgane. Il coûte dans les 35€, un truc comme ça. Hein. Regardez sur les sites internet. Il y a le red et il y a le black. Moi, j'avais pris celui-ci l'année dernière. Ils sont bons. Franchement, très bons. Ils sont bien notés quand même. Le rouge, il est mieux noté que le noir. 13,8 sur 20, ça va, 9,95. Tiens, je vais tester certains des parfums, l'eau de parfum là, l'eau de toilette. Il y a Stitch, Barbie, donc c'est 2,49€, c'est en promotion cette semaine. Alors ceux-là ne sont pas encore testés, sinon vous avez ceux-là en forme de lèvres, oui, 12,1 sur 20, pour le rouge en tout cas, 4,59€. Ah oui, tiens, j'avais trop envie de tester ça, les masques hydrogel. Oh là là, quelle satisfaction, c'est tout mou, 99 centimes. Alors, on va mettre les codes barres pour aller plus vite, comme ça. Regardez le orange, 3,2 sur 20. Le bleu, il a 2,1 sur 20. Abusé. Alors, je vois que les masques, ceux-là, en fait, c'est pas forcément des nouveautés. C'est juste un nouveau packaging, là, celui-ci. Alors, je vais vous montrer. C'est ça. C'est ce modèle-là, là. 12,9 sur 20. Et celui-ci, là, c'est celui-là, regardez. 11,2 sur 20. Il y a plein d'autres couleurs. Hein. Bon allez, moi je m'arrête là pour cette vidéo. C'est une vidéo qui demande beaucoup de temps les amis. Alors n'hésitez surtout pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez une partie 2, pourquoi pas, côté, je dirais, coiffure, tout ce qui est crème, masque. Après, si vous souhaitez voir la plupart des produits, là je les ai déjà testés. Vous allez les retrouver, les vidéos, dans la playlist Action. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.